La communauté de Saint-Ezidio, engagée depuis des années dans un travail de médiation pour la paix entre le gouvernement du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, a exprimé à travers un communiqué de presse sa profonde préoccupation quant au conflit armé qui se déroule actuellement dans le nord de la Casamance naturelle. Après les affrontements qui ont eu lieu le 24 janvier dernier entre des soldats sénégalais appartenant à la mission régionale ouest-africaine ECOMIG et des éléments du MFDC de Salif Sadio, Saint-Ezidio est intervenu pour faire cesser les incidents et limiter les conséquences, réussissant à obtenir la restitution des corps des soldats sénégalais tombés et la libération des 7 soldats sénégalais faits prisonniers par le MFDC. Saint-Ezidio demande la fin des opérations militaires actuelles de l'armée sénégalaise afin de sauvegarder la stabilité de la zone concernée et de maintenir ouverte la voie du dialogue. La communauté réitère également sa pleine disponibilité à poursuivre le processus de négociation, convaincue que seule une négociation raisonnable permettra une paix définitive en Casamance. Sur le terrain des opérations qui ne cessent de monter en intensité, les choses continuent de se compliquer pour les populations civiles. Le mouvement vers la Gambie voisine connaît une réelle accélération de la cadence. Ils sont plus de milliers de personnes qui ont investi les localités gambiennes. Elles disent avoir tout abandonné derrière elles et traversent présentement des difficultés certaines. La Gambie a déclaré officiellement avoir enregistré un nombre important de refusés. Le gouvernement gambien, qui a ordonné le renforcement de la frontière avec le Sénégal, a aussi demandé au chef de l'État sénégalais Macky Sall de prendre en charge les personnes déplacées. Jigen Chor, Amadi Khalilou Diémé pour la Radio-Télévision Wolfadjiri.